Et les habitués du lieu s'en venaient des quatre coins de Paris, gens de toutes les classes, qui aiment le gros plaisir tapageur, un peu crapuleux, frotté de débauche. Le régimentelier, patron en tête, suivait Constance. La troupe se déployait majestueusement comme un état-major en grand uniforme. L'effet dans le village fut foudroyant. De l'œuvre de l'illustre écrivain que fut Guy de Maupassant, de ses récits d'une extraordinaire vérité d'observation et d'une profonde résonance humaine, un thème essentiel se dégage, le plaisir. C'est pas une chance de garnison. Ce sont que vous voyez de police. Je voulais dire, c'est une chance de monastère. Tout à l'heure, quand je suis monté dans votre chambre, là, j'avais bu, j'étais un peu chaud, alors faut m'excuser, faut pas m'en vouloir. Parce que tu es ravissante, et puis... Puis tu me plais. Et puis tu m'aimes, j'espère. Ce thème du plaisir a inspiré Max Ophüls, un film à la fois tendre et cruel, comique et amer. Un samedi. C'est un drôle de samedi. Truculent, gaillard. Un film où, pour la première fois en France, chacun des personnages est interprété par une des plus grandes vedettes de la scène ou de l'écran. Claude Dauphin. Ça va faire le jeune homme dans les balles. Gaby Morlaix. J'ai été prise, mais prise comme un poisson à une ligne. Madeleine Renaud. Je t'ordonne de venir, Joseph. Ginette Leclerc. Mila Parelli. Daniel Darieux. Dis les choses. Merveilleux. Pierre Brasseur. J'en ai sacrifié six pères. Jean Gabin. Et Madame Rosa. Jean Servais. Qu'est-ce qu'on peut affirmer avec les femmes? Daniel Gélin. Simone Simon. Louis Seigné. Tous réunis sous la direction de Max Ophüls pour faire du plaisir la production la plus importante de ces dernières années. Ah, écoutez, Joséphine, on le sait. J'aurais dû me douter qu'il était ici. Enfin, quel démon peut bien le pousser à ça? Ma fille, c'est tout de même bien ce qu'elle fait. Et elle va sur ses 17 ans. Je sais pas sur quoi elle va, mais elle va bien. Tout de suite.